J'espère que vous allez tous bien lors de cette vidéo. Je voulais tout simplement vous montrer mes créations du mois d'avril, les créations du fin de mois, enfin plutôt en début du mois. En toute modestie, sans prise de tête, bah, je suis pas là pour péter plomb mon cul, hein, loin de là. Ça fait pas du tout partie de moi, ça. Non, pas du tout. Je suis plutôt le genre de personne qui n'a pas du tout confiance en soi, donc non, c'est pas moi. N'importe quoi, là ça part déjà en ouais, c'est bien hein. Donc j'en ai pas fait énormément ce mois-ci parce que en fait j'ai fait beaucoup de créations en résine. Enfin beaucoup, oui quand même. Mais bon, enfin bref, vous verrez ça dans une autre vidéo parce que là c'est que les créations en polymère. Donc voilà, j'en ai pas fait beaucoup. Mais c'est parce que aussi je me suis remise à mes anciennes créations, ce que je faisais à mes tout débuts. Vous verrez ça à la fin de la vidéo, vous gardez ça pour la fin. Et ce genre de création-là demande beaucoup plus de temps, mais j'avais complètement zappé que c'était aussi... Vous verrez bien. Là, je risque de pas être, enfin, d'être encore plus débile que d'habitude. Je suis en mode stress, en mode panique. Ça y est, c'est ma dernière vidéo que je vous fais dans la vingtaine d'années. C'est la semaine prochaine. Oh oui, c'est déjà la semaine prochaine. Putain, je prends un an de plus. 30 ans. Ah, j'aime pas ce chiffre-là. J'ai pas envie de les prendre. On n'a pas le choix. Et je me dis que ça va être pire dans 10 ans. Le fait de prendre 30 ans, je te jure, j'ai la poisse en plus en ce moment. D'habitude, tu es tout roule sur des roulettes, tout va très bien. Mais là, ça va pas. Il y a des problèmes dans la famille, il y a des problèmes dans les amis, il y a des problèmes financiers, toujours dans le rouge. Puis moi, je travaille. Mais j'ai beau chercher dans tout et n'importe quoi. Je suis prête à faire n'importe quoi, même le pire des trucs. Et non, il n'y a rien. En plus, avec le nouveau président, ça va être encore pire. Ah, c'est la poisse en ce moment, laisse tomber. 30 ans, c'est pas bon. Moi, je vous le dis, c'est pas bon. J'aime pas ça. Aujourd'hui, je vous présente mes créations du mois d'avril. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer mes créations en résine. Et dans une autre vidéo, je sais pas dans quel sens ça va sortir tout ça. J'ai plein de vidéos à vous faire, donc là, ça va cartonner. J'ai aussi un DIY que je voudrais faire justement concernant mon anniversaire. J'ai une petite déco à faire et je voulais vous montrer comment je faisais quoi. Je sais pas si ça vous intéressera, mais bon. Et pareil pour la proposition d'échange. Je sais pas si ça intéresse tout le monde parce que j'ai reçu aucun écho à ce sujet. On verra bien, hein, je vais me prendre un bide total, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Et je tiens aussi à m'excuser, oh, j'ai abusé aussi sur ce coup-là. J'ai mis 3 plombes à vous répondre sur la dernière, sur les 2 dernières vidéos. Je viens de répondre seulement à l'instant. C'est bien, hein. J'ai abusé. J'essaierai de faire mieux pour cette vidéo-là, enfin, si jamais il y a des commentaires. Bon allez, vas-y, j'ai hâte de blablater, je vais passer tout de suite, et je vais pas perdre de temps. J'aimerais bien faire une vidéo courte cette fois-ci, vu qu'il n'y a pas grand-chose à montrer, hein. J'avais autre chose à dire, mais je sais plus ce que c'était. Donc on va commencer avec les créations sans polymère. Bon, il n'y a pas grand chose, là, ce mois-ci, là, j'ai fait que 4 petits trucs. Donc voilà. Donc j'ai fait 2 petits bijoux de foulard. Alors il y en a un avec un petit hibou. Et l'autre avec un petit cheval. Comme ça, tout simplement. Pour changer d'habitude. Et ensuite j'ai fait 2 attrapes rêves, donc un en bijoux de sac, en toute simplicité, il n'y a pas de chichi, pas de breloque, pas de machin, pas de bidule, pas de chouette, juste un attrape rêve en bijoux de sac. Et donc l'autre attrape rêve c'est juste un marque-page, pareil, sans chichi, sans rien du tout, tout simplement. Ensuite je sais pas si vous vous souvenez de mon plastron du mois dernier, il me restait une plaque de Hidden Magic, du coup j'ai pu faire d'autres petits pendentifs, d'autres petits colliers avec la avec le reste de la plaque de Hidden Magic qui me restait. Comprendra qui pourra, si vous m'avez suivi vous êtes champion. Donc il y en a un avec un Mika Shift. Un Mika Shift bleu foncé là. Il y en a un qui est tout uni, enfin pas uni du coup, mais tout en Hidden Magic sans rien du tout. Et le dernier avec un petit dégradé, comme ça, tout simplement. Et donc pour aller avec aussi, j'ai ces 2 petites bagues là qui sont offertes pour l'achat d'un des colliers. Donc malheureusement, il n'y a que 2 bagues pour 3 colliers, donc il y a un collier qui sera tout seul, mais bon, c'est pas trop grave, hein. On fera un autre cadeau pour celui-là, c'est pas grave. Donc ensuite, la prochaine catégorie, je suis sûre qu'il y en a une particulièrement qui va être contente, hein, depuis le temps qu'elle me le réclame. Et bah ça y est, j'ai l'enfant fait. Ouais, c'est pas trop tôt.
Mieux vaut tard que jamais, comme on dit, hein. Donc je vous ai enfin fait le tuto de la technique pour faire l'effet nacré sur polymère. Ouais. Vous allez voir, c'est hyper simple. Il n'y a rien de compliqué. Bon bref, avec le tuto que je vous ai fait, du coup, avec la plaque de nacré que j'ai fait, j'ai pu faire 3 petits bijoux avec. Donc voilà. Alors pour commencer, il y a ce collier là qui est tout en nacré, tout simplement, sans, encore une fois, sans prise de tête. En toute simplicité, ce que je préfère. Ensuite, il y a celui-ci qui est avec un mélange de Mika Shift, que j'aime beaucoup. Celui-là, c'est mon petit préféré dans cette collection-là. Je l'aime beaucoup, celui-là. Le nacré ressort énormément. Et de l'autre côté, on a un petit Mika Shift. Comme ça, voilà, il est réversible. Et le dernier, c'est un petit plastron avec toujours le Mika Shift, le même Mika Shift et l'effet nacré, bien évidemment. Et il y a les petites boucles d'oreilles qui sont offertes en cadeau, qui sont réversées, bien un côté nacré et un côté Mika Shift. Voilà. Ensuite, la prochaine catégorie, je vous l'ai aussi fait en tuto. Mais par contre, j'arrive pas à trouver un nom précis à ce tuto. Donc si jamais vous avez des idées, je suis preneuse parce que je ne sais pas comment l'appeler ce tuto. Pour vous expliquer vite fait, en fait j'ai utilisé du translucide, du pastel, de la peinture et des feuilles métalliques argentées. J'ai fait un micmac, blablabla, et puis ça a obtenu ce résultat là. Et voilà, donc je sais pas comment l'appeler, donc si vous avez une idée, et ben je suis preneuse. Donc voilà la première version, c'est pas celle que je vous ai fait en tuto, mais c'est exactement la même chose, c'est juste les couleurs qui changent. Donc en premier, on a ce petit plastron là, un peu dans un style géométrique. Donc il y a ces deux pièces là qui ont été faites juste avec un emporte-pièce, tout simplement. Celui-ci avec un steel screen, et ça c'est le tuto que je vous ai fait. Enfin pas cette version là, mais c'est pareil, ça revient au même, voilà. Derrière le collier c'est tout en blanc, voilà. Pour aller avec, j'ai ces petites boucles d'oreilles, et pareil c'est tout en blanc derrière, on s'en fout, voilà. Et avec ce qui m'en restait, bah, j'ai juste fait cette petite pierre là sur un support camé tout simplement. Et donc là c'est la version que je vous ai fait en tuto, donc en bleu et vert. Donc voilà, après vous adaptez les couleurs que vous voulez bien évidemment, hein, il n'y a aucune obligation. Donc le premier c'est un petit plastron comme ça, enfin un plastron entre guillemets, hein. Moi j'appelle ça un plastron mais c'en est pas vraiment un, mais bon c'est pas grave. Donc avec un effet cuir blanc pour changer d'habitude et un effet jean, tout simplement. Comme d'habitude, j'aime bien associer cuir et jean, c'est rigolo. Et en cadeau, j'offre ces petites paires de boucles d'oreilles qui sont assorties, qui sont en forme de médiator comme le collier. Et le deuxième collier, c'est toujours et encore avec un effet jean. Il y a la petite perle assortie, c'était avec les restes qui me restaient. Voilà, j'ai fait une petite perle comme ça. Et pour aller avec, eh ben j'ai cette petite bague qui est assortie aussi encore une fois au collier. Même si c'est pas la même forme, ça va quand même bien ensemble. Voilà! Donc ensuite, la prochaine catégorie, bah, c'est toujours avec les mêmes techniques, les effets de jean, effets cuir, like done magic, etc., etc. Donc voilà. Alors pour commencer, j'ai ce petit plastron effet jean et cuir, mais avec de la dentelle. Et de l'autre côté, on retrouve encore l'effet jean et cuir, cette fois-ci le jean est noir, pour changer. Et justement, quand j'avais fait l'effet jean noir, j'en ai refait un collier exprès, donc voilà, avec une pièce centrale en effet jean noir. Et des petites rayures avec des paillettes. Enfin non, c'est de la feuille métallique argentée craquelée à l'intérieur. Donc voilà. Et de l'autre côté, c'est tout en jean. Il y en a un qui a un petit peu plus patiné que les autres, mais bon, ça fait un style. Voilà, comme ça, voilà, tout simple.
Et pour aller avec ce qui me restait des petites rayures, j'ai tout mélangé et j'en ai fait ces petites paires de boucles d'oreilles qui sont assorties. Ou pas, après c'est comme on veut. Et donc pour finir dans cette catégorie-là, j'ai ce dernier plastron avec effet jean, cuir et Hidden Magic dans les tons bleu et violet cette fois-ci. Et de l'autre côté, parce que c'est toujours sympa de faire de l'autre côté, j'ai juste fait effet jean et cuir en toute simplicité. Comme ça on peut le mettre dans les deux sens, tout va très bien. Et pour aller avec, j'ai cette petite paire de boucles d'oreilles pareil avec un côté Hidden Magic et un côté où il y en a un c'est jean et l'autre c'est cuir. Voilà, elles sont réversibles parce que c'est plus sympa parce que vu que les boucles d'oreilles ça bouge souvent, ça tourne dans tous les sens, c'est mieux quand c'est réversible quand même. Donc on va passer tout de suite à la dernière catégorie, celle qui me tient énormément à cœur. C'est ce genre de création là que je faisais à mes tout débuts, parce que pour ceux qui me suivent que depuis récemment, vous voyez toujours la même chose passer sous votre nez. C'est toujours les mêmes créations que je vous montre, entre guillemets. Et donc là ça n'a rien à voir, c'est ce que je faisais à mes tout débuts. C'est toujours aussi catastrophique hein, ce que je faisais, j'étais pas douée avant, je le suis toujours pas maintenant. Je me suis un petit peu améliorée, mais bon voilà, ça casse pas trop pattes à un canard. Mais bon, comme je le dis souvent, c'est en se forgeant qu'on devient forgeron. Donc avec le temps, bah, je vais m'améliorer, j'espère, on verra bien. Donc en fait, ce que je faisais à mes tout débuts, pour expliquer à ceux qui viennent d'arriver, je faisais beaucoup de chibi, beaucoup de personnages, beaucoup d'animaux. J'essayais que ça soit le plus réaliste possible, même si ça l'était pas franchement, quoi. Et donc voilà, je me suis relancée dans cette aventure en faisant ce genre de création-là. Donc pour ceux qui me connaissent, encore une fois, moi je suis amoureuse de tout ce qui est monde fantastique, féerique, j'adore les fées, j'adore les papillons, j'adore tout ce petit monde là. Et donc du coup voilà, je suis partie sur ce thème là et j'ai fait plein de petites fées, donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà la toute première que j'ai faite très très rapidement, je me suis pas appliquée, j'y suis vraiment allée à l'arrache, j'ai fait ça vraiment très rapidement. Voilà, c'est juste une petite chibi posée sur une clé comme ça, tout simplement. Et donc là on va passer aux petites fées maintenant. Donc la première petite fée que j'ai faite c'est celle-ci sur un support camé que j'ai fait en polymère grâce à un moule. J'ai pas beaucoup de moules, je déteste les moules, pour moi c'est de la triche. Enfin bref, ça on s'en fout, parce que pour la résine c'est bien pratique aussi. Donc c'est une petite fée papillon dans les tons rose, un petit peu un rose vieilli comme ça, qui est endormie sur une petite branche. Voilà, donc voilà, c'est son visage que j'ai énormément galéré parce que je sais pas si vous voyez la taille mais c'est tout minuscule. Donc il est loin d'être parfait, mais je suis quand même contente pour la taille que c'est, quoi. Sachant que c'était la première fois que je faisais quelque chose d'aussi petit, donc je suis quand même contente. Donc la deuxième que j'ai faite, c'est celle-ci. Avec des petites fleurs lucides sur la chaîne, un fond en résine, avec des petites microbilles et des strass par-dessus, le support camé pareil en polymère que j'ai fait grâce à un moule, et ma petite fée, pareil, une fée papillon dans les tons violets. Et donc là j'ai voulu lui faire comme moi, un petit tie and dye dans les cheveux mais dans le sens inverse. Alors j'aurais peut-être pas dû parce que finalement je suis pas très fan, mais bon. Voilà le résultat pour cette deuxième petite fée. Entre temps j'ai aussi fait une petite sirène, pareil elle est toute minuscule, avec un fond en résine et des paillettes à l'intérieur et un vrai petit coquillage. Merci Magali d'ailleurs pour ce petit coquillage, ça me sert bien bien bien. Et toujours le petit support camé en polymère.
Et donc là, juste une petite apostrophe, vite fait comme ça. La troisième petite fée que j'ai fait, je vous l'ai fait en tuto. Mais par contre, je vous garantis pas du tout le résultat parce que j'étais tellement à fond dans la création que je sais même pas si j'étais cadrée, j'ai même pas fait attention à la caméra du tout, je l'ai complètement zappé. Donc à mon avis, j'étais souvent hors champ, donc je sais pas ce qu'il va donner. Alors je sais pas du coup s'il sera potable ou pas, j'en sais rien. Et vu que ça a été très long, je vais devoir vous le faire en speed modeling, malheureusement. Speed modeling, c'est chiant parce qu'on voit pas tous les détails, malheureusement. Enfin bref, voilà. Mais je voulais juste savoir si vous préférez, si c'est possible, bien sûr, s'il est potable, mon tuto, si vous préférez sur cette chaîne-là ou sur la chaîne qui est logiquement dédiée au tuto. Voilà, juste une petite apostrophe. Vous préférez où ? S'il est possible, hein, j'en sais rien. On verra bien. Donc voilà, donc la troisième petite fée, c'est celle-ci. Donc voilà la troisième petite fée que je vous ai fait en tuto. Tout en jaune et argenté. Donc encore une fée papillon. Avec des petites fleurs lucides. Par contre, je suis Madame Catastrophe et le visage que je vous ai fait en tuto n'est pas le même que celui que vous voyez là. Parce que je l'ai écrasé sans faire exprès. Une fois que j'avais terminé le tuto. Donc j'ai dû le refaire après. Voilà. Je préfère quand même préciser parce qu'on sait jamais. Et vu qu'il me restait le dégradé jaune et argenté, j'ai fait ce petit papillon là sur un support camé tout simplement et toujours avec les petites fleurs lucides. Et donc voici la toute dernière petite fée que j'ai réalisée sur... c'est une petite fée de la nature, en fait, sur une feuille. Une estampe feuille en filigrane bronze. Voilà. Et donc ses ailes sont en forme de feuille. Et voilà, tout simplement. On m'a déjà réservé commander plusieurs autres créations sur ce thème-là, sur des personnages tels que Sailor Moon, ça c'est la prochaine que je dois faire. Bob l'éponge, Homer Simpson, Vizersa, les trolls, Gorgeous, Harley Quinn, Nemo, et puis j'en passe, il y en a tellement. Donc si jamais j'arrive à les faire et que vous les voulez en tuto, n'hésitez pas à me le faire savoir si je peux, si j'arrive à les faire, ce sera avec grand plaisir. C'est moi, j'ai pas la prétention de dire que je sais tout faire, loin de là. Donc faut d'abord que je fasse des tests et si j'y arrive et que vous les voulez en tuto, il n'y a pas de souci, je vous les fais avec grand plaisir. Et donc voilà, cette vidéo est finie. Et déjà fini ? Mais oui, j'ai envie de te dire, c'est déjà fini. Oh, c'est passé vite, dis donc. Désolée, encore une fois, ça a été bien plus long que prévu. Trop de blabla, du blabla. Si plus possible, faut que j'arrête. Hein. Oh, surtout si c'est pour dire des conneries. Alors, en tout ce mois-ci, je vous ai fait 3 tutos. Plus les 7 tutos du mois dernier que j'ai toujours pas posté. Tout va bien. Et j'ai encore les 7, je crois qu'il y en a 7, cannes, tutos cannes que je dois vous faire, que j'ai pas encore eu le temps de faire, que j'espère pouvoir les faire ce mois-ci. Bref, en tout cas, en tuto, je suis blindée, hein. J'en ai plein en stock, y a pas de soucis, il faut que je fasse le montage vidéo, mais c'est tellement long à faire ça aussi. Je suis pas motivée à faire les montages vidéo, c'est trop chiant. Enfin bref, j'ai du stock, mais faut le temps que je le fasse. On s'en fout, hein, trop de blabla, tu blabla, encore une fois. Bon bref, n'empêche, si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à me le demander, je vous les ferai avec plaisir, même si je suis très longue à la détente. Ce mois-ci, j'ai beaucoup de vidéos à vous faire. J'ai la vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai la vidéo de l'échange, j'ai la vidéo des créations en résine, j'ai un DIY à vous faire, même peut-être deux. Je crois que j'ai même 2 DIY à vous faire. Ça va être compliqué tout ça. Ouh, il y a trop de vidéos, ça va me dépasser. Bon allez, j'arrête là, je coupe court, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve très vite. Bah alors là, ouais, là c'est clair et net, très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.